Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gaming Live. Et bonjour Kéo. Bonjour Chou. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien et toi? J'ai bien dormi. Ça va très bien. Moi aussi j'ai bien dormi, mais je me suis mal réveillé. J'ai la cervicale qui m'a fait très mal en me levant. Je sais pas ce que j'ai eu. Mais bon, on s'en fiche de ma vie. Ce qui compte, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Ça sera la war entre Steel Z6 et Blue Exorcist dans le cadre du tournoi Seven Sky Mixed Tournament. Et on va sans plus tarder à commencer dans 3, 2, 1, et c'est parti. Alors cette war, elle oppose, donc comme on l'a dit, Steel Z6, notre team, au Blue Exorcist récemment nommé Unlimits. Et on va jouer sur Side 3, une map qui n'est pas très jouée. Et on va assister à un beau crash de Yumin. Dès le début, on a eu quelques problèmes de freeze, de connexion. Et Unlimits aussi a eu quelques problèmes, donc bon, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors c'est toi, Kéo, qui a filmé cette war. Ouais. J'étais en mode spectateur, c'était bien amusant, hein. Je me suis super bien amusé. Hein. Bah on peut voir ça, t'es pas fait chier un petit peu quand même? Non, pas du tout. Bon, alors la vidéo elle est assez longue, et on a décidé de la couper en deux parties. Ouais, alors comme vous pouvez le voir... trop long, hein. Trop long à ouais, regarder, trop long à commenter long. Aussi. Et puis c'est plus agréable de voir en deux parties. Ouais, donc on a coupé les demi-temps, enfin j'ai coupé les demi-temps. Bon, alors, ce tournoi, on a dit qu'il était fun. Ce qui fait toute sa particularité, c'est que les stuffs étaient imposés, tout comme la map. Alors, il y avait 4 rôles, si tu peux nous en dire plus, Kéorex. Bah, comme rôle, on avait un fragger, un rusher, un healer et un defender, hein, une team bien équilibrée pour tout le monde, avec des armes différentes. Alors là, par exemple, on a Kusano, qui est defender et qui va rusher malgré tout, avec sa bat, son semi. Et la sentry qu'il a posée en défense. Qui se débrouille vraiment bien en rush. Donc là, il fait une petite technique de reload cancel. Et il s'est fait poutrer par la bat. Alors c'est Ares qui est le fragger de l'équipe adverse avec sa dague, un revo. Et c'était quoi un submachine gun, je crois. Ouais, c'était ça. Et submachine gun et band. Donc Ares, je me souviens, il a très bien joué sur cette war. Il a bien fragué. Et Christophe aussi s'est bien débrouillé dans notre camp qui était le fragger. Alors cette war, ce match, se déroule en peine, donc comme ça, bien équilibré, pas de jaloux. Et je dois dire qu'on s'est bien fait laminer sur la première mi-temps. On s'est fait exploser, comme vous allez pouvoir le voir. Crois que t'étais un petit peu... Enfin, on était mal parti, je sais pas ce que tu pensais jusque-là, Kéo. Bah pour l'instant là jusque là je me suis dit bon bah on a 10 points d'avance hein, c'est marqué là, de toute façon le plus 10. Ah oui puis... ça j'ai même pas vu. Et puis je me dis bah ça va, on se défend assez bien, ça va être une war bien équilibrée, ça va être assez passionnant quoi. Sauf que ils vont bientôt marquer. C'est vrai que les Blue Exorcist c'est une grosse paire et là Yumin qui va défendre, oula avec un heavy s'est placé de justesse. Alors là, on a eu très chaud. Kusano a bien gueulé sur le bumble contre Yumin, surtout contre la CS. Yumin qui joue en rush, vous voyez qu'il est très bien habillé pour l'occasion et qui rate son trick. Bravo. Contrairement aux Unlimits qui, eux, manient très bien ce trick pour passer en bas. Alors nous, notre stratégie, c'était plutôt de passer en haut et d'attendre le rush, la cover. Alors que les Unlimits... Ah, voilà, le relais qui tue. Alors que les Unlimits, eux, ils passaient en bas et vous voyez, ils ont bien géré ce relais. On s'est fait avoir en sandwich là. Et c'est Cerisier qui a marqué le premier TD. Cerisier qui trick super bien comme vous pouvez le voir. Je sais pas si t'es fan de cette map Kéo. Bon, cette map elle est assez intéressante à jouer. Ça améliore bien le gameplay, le team play aussi. Et ça peut être une map assez fun aussi hein, pour faire quelques parties fun, mais honnêtement ce n'est pas ma map préférée pour autant. C'est sûr, bah c'est pas la map la plus jouée aussi, mais moi j'ai beaucoup aimé ce match, ça changeait des War Station 2 ou peut-être Station 1 Old School, mais bon. Je crois qu'il y a certaines maps qui sont interdites dans ce tournoi parce que avec le nouveau... Oh c'est moi, regardez! Oh là là, qu'est-ce que je suis beau, j'anticipe mais j'arrive pas à stun. Je disais qu'il y avait certaines maps qui étaient interdites dans ce tournoi, Parce que à cause de la nouvelle mise à jour, pardon, les décors se cassaient trop facilement et ça ruinait un petit peu le gameplay. Bah Hyperium, je sais que ça a été interdit. Et puis aussi il y a Station 1 qui a été interdit parce que la map est bien trop petite pour avoir un vrai teamplay.
Ouais, enfin, moi, en même temps, ça me va parce que je suis vraiment pas du tout fan de Station 1. Je suis pas un rusher. Là, vous voyez, je suis un super healer qui ne prend pas la balle. J'avais pas envie. Oh, ça sert à rien, la balle. Grosse erreur. Ouais, non, ça sert à rien pour t'aider, la balle, c'est vrai. Hein, c'est, après tout, je suis qu'à aller dans les TD avec ma bite et mon couteau et puis je mettrai le dessus. Alors, excusez-moi. Hein. Alors, je fonce avec mes submachine guns dans le vide. Ah, t'as trébuché, hein, évidemment. J'ai glissé sur une peau de banane. Je pensais qu'il y avait quelqu'un en reset, mais non, c'est Cerisier qui va rush avec sa CS. Cerisier qui est le fragger. Ah oui, non. Non, c'est le rusher. C'est le rusher. Le rusher avait un assaut rifle, une arme plutôt bien, hein, qui fait pas mal de dégâts. En fait, c'est une arme assez dévastatrice, en fait. C'est... Ouais, et même quand on joue contre des AP, ça peut bien rivaliser. Ouais. Donc finalement, on avait un rusher à tendance fragger. Et Cusano, lui, qui se fout complètement des rôles, qui rush avec son stuff de défendeur, sa sentry, sa bat. Et là, on est à deux doigts là, de TD. On pense quand même qu'on va TD. Et non, voilà, le coup qui tue, le strong cut de. C'était de qui? De Unhappy. Qui a tué Cusano et Yumi en même temps. Et là, c'est moi, le beau Shugo, qui va rush avec la balle cette fois-ci. Parce que je me suis dit que ça pouvait servir. Oui, et là, je vais tempo. Oui, bah, c'est toujours utile, hein. Mais bon, c'est Cerisier qui prend la balle et qui rush face à Christophe, je crois, qui s'est ouais, fait laminer. Et là, c'est moi qui va défendre, attention, on va voir. Et là, magnifique défense. Oui, mais j'ai fait ce que j'ai pu, mais ils étaient 4 quand même, c'est pas... Regardez, on va voir, ils ont un super teamplay et une super cover sur ce coup-là. Toute la team était en 4. Hein. Ouais. Si j'avais pu prendre la balle et faire un reset, la contre-attaque aurait été pas mal. Mais bon, on repart avec Yumin qui rush en haut, qui va enfin se conformer à la stratégie. Sauf que je crois que c'est Unhappy toujours là, et Unhappy qui est le healer pardon, de l'équipe d'en face. Et de notre côté, c'était moi le healer. Oh, très beau bind et. Ouais, je l'ai pris cassage de pont. Christophe s'est bien débrouillé sur ce coup-là. J'avais même pas remarqué pendant qu'on faisait le match. Et là, attention, dangereux. C'est Ares, je crois, qui fonce. Avec Cusano, c'est là. Cusano. Mais Cusano avec sa batterie. Et là, je crois que c'est moi qui vais arriver avec. Avec Mass World, No Brain, et voilà. Oh non, il est pas mort encore. C'est Cusano qui l'a achevé. Et je repars en... Oula, c'est dangereux, là. Ils arrivent de tous les côtés. Heureusement, j'arrive à m'enfuir. Et ils sont encore là. J'ai l'impression qu'ils sont partout. Hein. Oulala. Là là. Dangereux, ça. Ah, Cusano, il s'est bien débrouillé. Une belle jump attack. Il a eu le temps de poser sa sentry et son shield. Il manie bien, plutôt, ce stuff Cusano. Bah faut dire quand même, ouais ça ressemble à peu près à son stuff qu'il a d'habitude, bon bah... Enfin, excusez, qu'il a d'habitude. Il utilise assez souvent la batte et le semi étant donné que c'est une de ses armes principales, il la gère. La sentry, il y a pas grand chose à faire, faut la poser, et puis le shield, bah faut le poser faut aussi. Faut savoir où la poser quand même la sentry, ça se pose pas n'importe où. Oui, non, là, mais... Je sais même pas où est-ce qu'il a posé. Je crois que c'était devant le TD, je suis pas sûr. Donc Yumin qui est passé par le pont et il ne trouve pas de solution, donc il est bloqué. Là c'est moi je crois qui va arriver. Ah non, c'est... Attends, j'ai du mal à lire le nom. C'est Neifis qui m'a explosé la gueule. Il m'a fracassé le crâne et là on va se prendre une attaque. Hein. Ouh là 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 là, on a eu tellement chaud sur ce coup là. Vous voyez que on tient le coup, hein. On se défend, 2-0, rien n'est perdu, c'est encore jouable. Mais les Unlimits au niveau gameplay sont bien au-dessus de nous. Et là, à chaque fois, on est à deux doigts de TD. Et toujours, on se prend un coup de batte ou un coup de plasma sword dans la tronche. On n'arrive pas à marquer. Cerisier qui repart en attaque. Oui, c'est super dommage aussi. Parce que bon, on est vraiment pas loin de... Regardez le teamplay là, c'était parfait. C'était Unhappy, je crois, qui est. Je ne me souviens plus. Si c'est Yumin qui repart en attaque et qui va passer en bas. Dangereux ça de passer en bas parce que les relais ils sont pas faciles à faire. Et en cas de fail, tout de suite le reset. Là c'est moi qui heal Cusano du mieux que je peux et j'ai raté mon relais. Dommage hein. De toute façon t'étais mort avant de pouvoir prendre la balle. Ouais, je me suis fait éclater par un appui. Yumin qui repart en bas, qui maîtrise un petit peu ce trick. Il va marquer là, on croit qu'il va marquer, mais non, à chaque fois.
Bah, vous toujours devez... Memphis. Ouais, vous devez être déçu quand même de voir ces moments-là où, ah oui, où on est à vous êtes en quelque sorte tellement décevant. Mais bon, Yumi, il était pas, il parlait pas beaucoup sur Mumble, donc bon, il exprimait pas sa rage de vivre. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment le sem de, à deux doigts à chaque fois. On... Là, c'est moi qui repars avec la balle. Je crois que je vais faire un reset. Un reset foireux. C'est Christophe qui n'a pas pu reprendre la balle. Et Cerisier qui repart en attaque. Cerisier qui a super bien joué ce match. Il était vraiment un pilier de l'attaque de la team adverse. Mais c'est normal, c'est le rusher. Yumi s'est moins bien débrouillé que lui sur la première mi-temps. Ouais, ouais, mais bon, bah. Voilà quoi. D'ailleurs, ouais, sur la première mi-temps, vous avez quand même adopté une stratégie un petit peu particulière avec Kouza et toi, Chou, hein. C'est vrai que là, moi, j'ai joué plutôt en défense à la première mi-temps. Et Kouza, au contraire, il a rushé à fond. Et on s'est pris un troisième TD de Unhappy. Qui fait le ménage. Vous voyez comment je danse? Je suis même pas mort. Alors, on est reparti pour la quatrième phase. On va aussi louper. Il reste 4 minutes de jeu pour cette première mi-temps. Vous voyez qu'on a fait ce qu'on pouvait pour tenir, mais c'est pas suffisant. Et là, je rate la balle. Encore une fois. C'est Yumin. Ah non, je reviens. Et je repars. Tout aussi. Ah, ça va et ça, et ça revient. C'est vrai qu'on est fait de tout petit rien. Oh, Kusano, voilà, super, bah alors... je m'attaque. Ouais, c'est la stratégie que vous avez adoptée, Kouza qui reste aux alentours reste du reset Fumbi. C'est ça. Voilà. Il met sa sentry, comme vous avez pu le voir, sur le coin pour empêcher les ennemis de prendre la balle. Ou les prendre, mais se faire un tout petit peu éclater par sa sentry. Ouais, et après il prend la balle et part en rush. Yumin qui aime bien le pont, décidément. Ah, on avait eu la pitié là, c'est vrai. Et c'est dommage, regardez, à chaque fois, on est vraiment pas loin de TD. Et on se fait stopper ou soit par la batte ou soit par la plasma sword. Personnellement, qui repart, moi, ouais, personnellement, moi, j'aurais été dans le match, j'aurais ragé comme un porc. Enfin, bon. Bah non, en fait, on rageait pas trop vu que, comme je te l'ai dit, c'est Yumin qui voilà, qui le tableau des scores. Alors le tableau des scores, ah ouais, j'ai raté le... J'ai pas vu, mais bon, on voit qu'il nous domine. On voit, ouais, ils sont en train de dominer largement au point, au niveau des points, donc... Des points individuels et aussi des TD, mais 0-3. Et là, il n'y a personne pour défendre. Ah, si, c'est moi qui arrive un peu trop tard. Dommage. Et Christophe qui était pas loin, mais. Cerisier aussi. Avec Cerisier. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. On a pas bien joué sur cette première mi-temps. Et on aurait dû quand même tenir un peu plus longtemps pour éviter de se prendre le 5-0 que vous allez pouvoir admirer. Mais bon, et là on a vraiment été agressif ici, on a voulu attaquer à tout prix. On a profité de la pitié, quoi. Dans les deux dernières minutes. Ouais, on a essayé de profiter de la pitié, mais ils étaient vraiment trop forts pour nous là. On pouvait pas. Regardez ce team play, c'est parfait ça, le leader qui est à côté du rusher. Alors moi je me suis pas trop servi de mon heal contrairement à lui. Sauf un petit peu au début, vous avez dû le voir. Et Cerisier qui va passer en haut. Alors ça, c'est la meilleure stratégie, je pense, à adopter sur cette 3. Ah, le relais qu'on n'avait pas vu venir. C'est Ares qui met le dernier touchdown de cette première période. Des sentiments sur cette première période, Kéo? Non. Aucun? Non, alors pour moi, pour la première mi-temps, pour moi, c'était... foutu. T'es foutu. Nous aussi, on n'y croyait plus, hein. D'ailleurs, je pense que c'est grâce à ça comme on... En fait, on a joué pour le fun, après, vu qu'on savait qu'on pouvait plus gagner. On a joué pour le fun et une belle surprise nous attend dans la deuxième mi-temps. Je te propose une tour page de publicité, puis on se revoit juste après. À tout de suite. À tout de suite, ça.